Enfin, je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo qu'on m'a demandé. Donc, c'est sur le planeur de chez Action. Je l'ai eu juste avant le début d'avril avec les petits anneaux en plastique. Donc, moi, je m'en sers pour m'organiser avec les vidéos YouTube. Les choses que j'ai à faire en scrapbooking. Donc, du coup, quand je l'ouvre, il y a la règle. Et là, du coup, j'ai marqué scrapbooking, organisation, idées, YouTube, vidéo, tutoriel, mini-album, scrapbook, agenda créatif. Donc, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Vous pouvez faire une présentation de vous. Moi, j'ai fait une présentation de ce que je vais mettre dedans. C'est plus simple pour moi. Et ensuite, je vais mettre tout ce que je pense faire, tout ce que je voudrais faire en scrapbooking. Donc, les anniversaires, j'ai quand même mis les anniversaires de ma famille. Ça, c'est pas grave, c'est pas du tout dans le scrap, mais je l'ai mis. Là, en to-do list, je marque tous mes projets, en cours ou pas. Mais bon, j'ai déjà beaucoup de projets en cours, donc j'essaie pas trop d'imaginer ce que je dois faire après. Donc ça, je vais le cacher un peu. Ça sera des vidéos que je vais vous faire après. Donc là, on n'est que le 10. J'ai déjà fait deux projets que j'ai finis. Plus celui-là. Je ne l'avais pas mis ici. Donc l'album Paradiser que je vous ai fait une vidéo. Les faire-part de mon fils. Je les ai finis juste avant l'album. Donc j'ai le livre d'or pour le baptême. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore fini. Les boîtes à dragées, j'ai commencé, j'ai pas encore fini non plus. Les biberons à dragées, je n'ai pas commencé. J'ai commencé un art pub il y a déjà un petit moment, mais du coup j'aimerais le finir, donc je l'ai mis dedans. Album Body Robin, je l'ai commencé, j'ai plus que 2-3 photos à mettre. Mais il faut que je les imprime. J'ai changé mon téléphone au mois de décembre. Donc du coup, ben, j'ai perdu des photos. Donc il faut que j'en retrouve à imprimer pour faire tous les mois. Album photo Victoire, donc il faut que je le finisse. Un délice December que j'ai à relier. Un bullet journal que j'avais commencé. Carnet de grossesse à relier aussi. Quand j'ai déménagé, j'ai pas retrouvé l'arrière de ma structure. Je sais pas où il est passé. J'ai plus qu'un carton et je ne l'ai pas retrouvé. Donc on verra si je dois en faire une ou pas. Et un album que je dois faire en fin d'année, mais si je peux m'avancer. Et là, j'ai mis mes priorités. Donc la boîte à dragées de Robin, déco bibon, donc ça je n'ai pas encore commencé, et rangement d'ice. Donc ça c'est fini, je suis tranquille. Et là, c'est inspiration. Donc là j'ai mis deux choses que je voudrais essayer, que j'ai pensé que ça pourrait être pas mal à faire. Donc je vous ferai sûrement une vidéo, c'est pour ça que je cache comme ça. Si je ne le fais pas, tant pis, mais au moins mes idées ne seront pas diffusées. Donc là, j'ai mis au mois d'avril. Donc là, j'ai commencé le premier. On était samedi. Et à chaque fois, je marque ce que je fais en scrapbooking. Donc là, j'avais marqué agenda scrap. Donc c'est justement ça. Couverture album body de Robin.
Donc j'ai mis là. Rangement base le 2. Le 3, livre de Robin. Vidéo, album, Paradise. Collage de feuilles, de livres sur des feuilles. Là, c'est bon, c'est bon aussi. Là, je n'ai rien fait. Tamponnage. Ah oui, là, c'est le tamponnage que j'ai fait. Animaux pour les boîtes à trajet. Donc, si j'arrive à me relire, c'est pas mal. Là, c'est colorisation des animaux pour les boîtes à trajet pour Robin. Donc là, j'avais mis ce que j'avais à faire comme vidéo. Et comme ça, au fil du temps où je l'ai fait, je l'ai surligne. Comme ça, c'est fait. Et je sais que je peux passer à autre chose. Donc là, j'en avais une, deux, trois, quatre à faire dans la semaine. Il y en a deux que j'ai fait à aujourd'hui. Mais c'était pour la semaine d'avant. Mais c'est pas grave, j'avais fait autre chose à la place. Donc là, on est le 10. J'ai fait une vidéo avant. Là, je fais celle-ci, donc je l'ai mis avant de vous faire celle-là. J'ai mis ma vidéo. Et à chaque fois que je fais une vidéo, je marque où je la mets. Comme ça, je sais que vous avez une vidéo ou un short sur YouTube et je vois quand il me manque quelque chose, on va dire. Donc après, j'ai plus rien marqué sur ce mois-ci. Donc là, du coup, pour le mois de mai, j'ai mis mes anniversaires. Ce que j'ai à faire en priorité si je l'ai pas fini au mois d'avril. Parce que ça, c'est sûr, j'aurais pas fini. J'ai commencé, mais j'ai pas mal de choses à faire dessus. Et là, j'ai marqué, j'ai des autres choses en cours que j'ai pas fini. Donc, du coup, je les ai mis là. Comme ça, je sais qu'au mois d'avril, je vais avancer sur ce que je dois faire et que j'aurai des choses à rajouter avant. Là, j'ai mis une aspiration que j'ai eue. Je l'ai mis là. On verra si je le fais en vidéo. Et j'ai pas encore marqué les numéros parce que j'ai pas fait attention à quel jour ça commence. Le mois de mai. Pour l'instant, je suis au mois d'avril. J'essaie pas trop m'avancer parce que j'arrive pas à me tenir à des projets comme ça. Donc là, j'ai encore rien marqué. Je pense que je marquerai ce que j'ai réussi à faire dans le mois que je voulais faire. Et ce que j'ai encore à faire, peut-être un bilan. Je sais pas, on verra. J'ai pas encore réfléchi à ça. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Je l'avais pas enlevé. Comme j'avais pas fait la vidéo du haul action. Donc ça, c'est bon, je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Et à la fin, ben, il y a pas mal de notes. Donc du coup, je sais pas encore vraiment ce que je vais faire ça. Je sais pas trop, on verra, je vous referai une vidéo de l'avancement peut-être. Là, c'était une petite vidéo parce qu'on me l'a demandé, comme ça vous voyez. Après, il y a pas mal d'utilisations à faire, ce que vous faites la journée, ce que vous faites au travail, ce que vous faites avec les enfants, le ménage. Donc voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.